Monsieur, bonjour. Merci beaucoup pour nous venir là. Dans le nord, pour en fait trois raisons. Première raison, c'est parce que je nous connais. Je vais mettre ma transition en lila parce que bon, crise. Mais crise là, alors que majorité crise, c'est dans le département de l'Ouest, dans un métropolitain avec la Martinique. La vérité, c'est que au cap avec le nord, mon cap avec le nord subit crise là tout. Je subis prix la vie pour demander. Je subis l'investissement que nous n'avons pas fait dans la zone. Je subis le fait que nous avons fait noir. Je subis le fait que nous avons des gens qui déplacent pour cette pression sous service. Donc, il est absolument important pour moi, alors que je prépare, je planifie le prochain cycle budgétaire qui a commencé le 1er octobre, que nous planifions pour les gens qui ne parlent dans la zone métropolitaine, qui subit et qui subit toujours. Donc, ça, c'est le premier élément. Assurer que la feuille de route est tenue compte de tout le monde qui subit cela, même si on va dans la zone métropolitaine. Mais deuxième raison qui fait ça, c'est parce que vous pouvez tout que la région noire, il y a une solution à la crise. Il y a une pratique que nous avons apprise. Il y a des gens de la population mariée à la police. Il y a une opportunité d'investissement pour que les pays à continuer de croître. Il y a une opportunité pour nous créer des services. Donc, le n'a pas des solutions prises là. Nous ne pouvons pas regarder des solutions seulement dans la zone métropolitaine. Nous sommes obligés de garder des solutions dans la zone, en dehors de la zone métropolitaine. Donc, c'est la deuxième raison. Mais la troisième raison qui fait là, c'est parce que justement, nous avons espéré que nous avons fait. Le Haïti traditionnel m'a cherché inspiration, m'a cherché espoir, m'a cherché exemple de résilience. C'est là qu'on a c'est là qu'on vient chercher, ils comprennent que l'un des têtes bien ensemble n'a pas rien à réaliser. Troisième raison qui fait mal, c'est justement ça. Pour nous rappeler, peu pas ici, de ça, nous qu'a fait l'un des têtes bien ensemble. Nous, plus près que nous, plus loin. Les amis qui avaient nous, ces amis qui acceptaient d'accompagner nous, qui viennent nous, en situation avec nous, qui comprennent trois éléments ça. Que, il y a pile d'autres monde qui parlent dans la zone métropolitaine, qui a souffert. Pour l'idée, avec une pile solution pour l'inspirer de eux. Et troisième réalité, c'est le point de potentiel d'inspiration que le Nord est seulement le Nord. Alors, Premier ministre, je dis à vous, je dis à la Mfeklisson, d'abord le TH, parce que nous connaissons vraiment depuis 3-4 ans. Son urgence pour nous trouver une solution. Ensuite, dans l'hôpital, parce que nous connaissons l'hôpital là, qui sont beaucoup compétents, avec une population qui a globalisé très très vite, avec une pression qui a monté sur lui. Il y a un chien important pour nous capables de comprendre ça qui est pour nous aider. Et troisièmement, évidemment, nous vivons dans le centre de sécurité qui c'est la bourse. Alors, nous considérons que le Premier ministre déplacé interne qui a fui la sécurité, et là dans le nord, c'est un département qui recevra un pile de monde. À qui ça, la population lui-même est capable d'attendre suite avec visite là comme chef CSPN. Nous avons trois niveaux d'intervention pour nous qui sont déjà en cours. On continue à assister avec toutes sortes d'aides directes, cash transfer, pour nous accompagner. Mais nous avons l'autre bain à garder là. Et au fur et à mesure qu'avec l'organisation de l'IAM, nous avons un côté. Parce que le monde vient pour ça, il est constitué une pression sous service, c'est normal. Donc c'est responsabilité de l'État pour assurer que la communauté qui accueille nous a même de continuer à offrir le service. Donc il faut une école pour continuer à aller, il faut que le service de santé pour continuer à aller, il faut une capacité pour rétablir la communauté encore pour le temps, pendant que nous-mêmes avons mis l'autre dans le problème fondamental. Vous considérez et en pile plein qui gagne beaucoup de population pour manque de matériel, la police dans le nord surtout gagne, qui ça, le gouvernement va diriger, puisque vous là avec le ministre du gouvernement, on est capable de bailler les policiers dans le département nord là comme garantie, afin que vous soyez capable de préciser ma ville au cap dans la quiétude. Justement, je parle avec M. Léa et M. qui conditionne sa zone mieux à propos. Et ça fait nous faire trois bagages. Premièrement, on a rationalisé les ressources par nous, incluant l'autre ressource qui est en état. Parce que dans la semaine dernière, toute l'administration publique là, nous avons fait un inventaire de sports spécialisés, de pick-up, de véhicules, pour nous capables de faire un inventaire pour comment nous utiliser les ressources pour nous supporter la police. Deuxièmement, dans le cadre budget, regardez-moi comment on a baillé les sous-commissions. Dans la zone métropolitaine et ailleurs,
équipement ont besoin pour être capable de faire travail. Alors, comme là, ancien président Madeleine Sanctionnier, qui position. Et troisièmement, nous avons dit, je travaille avec des partenaires très, très engagés pour le support de la police, pour aider mon ministère de ressources pour assurer que la police ait tout ça. Je ne comprends pas et je ne comprends pas qui est aussi important pour nous. Police au Cap, dans le Nord, équipée. Il y a la quantité qu'il faut pour faire travailler, que la police justement capable d'engager à temps plein dans la situation. Vous êtes l'hôpital Premier ministre, vous êtes ancien Premier ministre Joseph Michel Martelly. Vous avez indexé Joseph Michel Martelly concernant les sanctions au Bali. Position pour vous. Réfléchir à ça de la perspective de peuple et population haïtienne. Population haïtienne dans le bonjour, et le temps que nous avons des amis qui ont pile moyen. Annoncer que mon ancien président élu fait des choses qui sont assez graves. La population veut comprendre. Il veut des informations, il veut des détails, il veut appréhender ce qui se passe. Donc, responsabilité de l'État, c'est avant tout pour le ministre de la Justice. M'en disant, s'il vous plaît, partagez avec moi la documentation, partagez avec moi l'information pour me comprendre ce qui se passe. Mais deuxièmement, il faut que l'institution responsable pour ça, il même tout, il a regardé ce qui a passé à l'époque, il a laissé comprendre, pour venir expliquer aux populations qui ça bagaille là, qui est en réalité, qui fondement qui vient dans ça, et côté, par ça, responsabilité de l'État, c'est ça. Mais comme je m'a dit, il y a une raison qui fait que ces paysans qui ont sanctionné, c'est parce que le système justice panon pas fonctionné. Si le système justice panon te fonctionné, si nous te prenons responsabilité, il y a une imputabilité, nous avons besoin de notre ami. Dernière question pour nous finir, BM. Nous avons regardé la mission multinationale de soutien à la sécurité. Il est déployé dans le pays depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a opérationnel seulement dans l'Ouest avec de la Tibonite, puisque c'est le département ça qui est plus ou moins touché, puis plus, vu face avec le phénomène de sécurité, ou bien c'est une mission qui a venu aider la police nationale qui a venu des peuples haïtiens sur tout ce département? Qui pays amis qui accompagnent? Pays amis, donc une bonne question. Nous avons plusieurs là. Les Nations Unies, les États-Unis, le Canada qui est là avec nous, l'Espagne qui est là avec nous, le Mexique qui est là avec nous, le pouvons nous mettre tout le monde. C'est le cas de diplomatie? C'est une occasion, je dis diplomatie, tout le monde comprend bien, mais c'est surtout l'occasion pour nous visiter avec vous. Fais trois points ça. Là, c'est comme vous signez, mais plus la guerre pour tout Haïti. Qui sont capables de faire ça? Réaction sur MMSS, c'est pour MMSS. Est-ce que la déploie est seulement sur le sac de la police? Là, pour l'accompagner et supporter les forces de police pour rétablir la. Vous avez dit que ces forces police avec l'armée d'Haïti qui a déployé pour la soutenir des équipements, instruments et monde que nous besoin pour le bien. Nous en état de gestion? Évidemment. Évidemment, dépendamment des gens besoin, on a décidé avec Fosna comment la préparer pour être capable d'efficacité. Mais rappelez-nous, Fosna n'est pas là pour suppléer la police nationale, l'armée d'Haïti, cet intérieur, le gouvernement de la justice. Responsabilité sécuritaire, c'est responsabilité haïtienne avant tout. Les amis aussi coupés à ma vie. Zambien internet Jim Studio Info, gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Ça va dépendre de l'heure où vous tombez sur la vidéo. Jeudi, qui c'est jeudi 22 d'août 2024, nous trouvons nous dans la ville Cap Haïtien. Là, je côté Jean Cap observer ensemble avec nous là, sur que nous la gagné présence PM Gary Kony dans ville Cap Haïtien. Après, et PM lui-même, il sorti dans l'époque. Qui Cap Haïtien, nous avons gardé une acclamation chaleureuse qui est plusieurs militants qui viennent accueillir PM dans l'aéroport Cap Haïtien. Là, nous dans la centrale électrique et ville Cap Haïtien. Et puis le monde dans la ville Cap Haïtien connaît la centrale ça sous nom Marina. Donc, nous allons dans la centrale là, côté PM, lui-même, il vient passer en visite dans la centrale là. Est-ce que visite ça veut dire Ville au Cap, lui-même, il prend espoir, il y a un petit écrase lumière
dans quelques jours ou mois qui viennent, nous ne connaissons pas, mais nous avons PM lui-même qui est ensemble avec le responsable de centre électrique, qui est Jean Marat. Donc, il a communiqué entre eux et gardé les moyens possibles pour voir comment ils ont retiré Ville au Cap qui a plus passé 10 ans dans le blackout. Alors, nous disons plus passé 10 ans, pour ça, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc, Ville au Cap lui-même qui n'a pas connu un petit crasse lumière depuis, et après funérailles président ou encore ancien président Jovenel Moïse, nous connaissons qui est parti pour l'éternité. Donc ou même qui a suivi la plateforme Jim Studio Info, donc il était pour commenter, like et puis partager vidéo ça avec toute l'autre zanmi nou qui a vivre de yon pays. Donc rete connecté ensemble avec la plateforme Jim Studio Info pour nous connaître plus de visites PM Gary Koné dans la ville Cap Haïtien. Ou Cap garder sur écran là. PM Gary Koné lui-même qui a un képi noir dans la tête qui marque PM et accompagné M. Jean Marat qui est directeur centre électrique là et qui a fait une visite à Deda. Nous remarquons tout en pile autorité, diplomatie. Nous remarquons présence ministre du pays qui l'a tout. Donc c'est une visite. C'est une visite jusqu'à moment n'a parlé là. Nous pouvons connaître qui sa visite là lui-même lié, mais il est important pour nous de informer que PM Gary Koné lui-même li dans Cap Haïtien et la consulter différents côtés dans la ville Cap Haïtien pour comment le cap porter toucher dans plusieurs instances qui sont paralysés dans la ville Cap Haïtien. Vous êtes connecté ensemble avec la plateforme Jim Studio Info pour tout le reste des détails. Voilà, les amis internautes, Jean Tabzola, PM Gary Koné lui-même qui est dans la ville Cap Haïtien, qui a visité plusieurs institutions dans la ville là, pour centre électrique.
tant que centre électrique ville Cap-Haïtien pardon et après centre électrique Cap-Haïtien là nous dans l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien qui c'est l'hôpital général Noah qui tant bien pour une opération Je vais regarder la PM Gary Conné lui-même qui est dans l'hôpital universitaire Justinien du Cap Haïtien. Thank you.